Hey les amis, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien, comment ça va super. Aujourd'hui les amis, vous l'avez bien compris, aujourd'hui on se retrouve pour encore un connaissez-vous bien, vous commencez à avoir l'habitude, sur le thème de... Dragon Ball. Vous êtes pas très fort à ce jeu là. Les amis, aujourd'hui, donc, vous l'avez bien compris, au titre et aussi à ce petit objet, nous allons faire un connaissez-vous bien, donc un quiz sur le thème de Pokémon. Pas n'importe quoi, on va pas dire quel est ce Pokémon. Non, on va pas faire ça. Donc on va poser, ça va être un quiz sur des questions difficiles qui va être un peu plus technique, un peu plus poussé que des questions de base. Et pour ça, on a besoin d'une Pokéball, hein, bien sûr. Et attendez, le héros principal, entre guillemets, hein, c'est pas Sacha, ça serait trop facile. Le petit Pikachu. Et oui, c'est la mascotte, c'est un peu la mascotte de Pokémon. Alors du coup, le petit Pikachu va essayer de nous tenir un peu compagnie lors de la vidéo. On va le placer, voilà. Comme ça, on voit bien. On a réussi. Alors, pour la question 1, Rhinophéros a été le premier Pokémon à avoir été dessiné. Donc, on parle entièrement sur le manga. Vrai ou faux? Et bah, je crois qu'il y a une connerie comme ça. Je crois qu'il y a un délire avec Rhinophéros. Je suis pas sûr, mais j'ai cru entendre un truc comme ça. Mais pour moi, je dirais que c'est vrai. À l'origine, Pokémon devait s'appeler Capsule Monster. Non, c'est pas Capsule... Attends, je sais qu'il y avait un truc comme ça avec Monster, mais je crois pas que c'était ça. Normalement, non, ça devait s'appeler Pokémon Monster. Si j'ai pas de bêtises. Pour la question numéro 3, dans la version japonaise, Sacha se nomme Satoshi. Ce prénom est un hommage au créateur de la série. Ça, c'est absolument vrai. C'est bien Satoshi, parce que je n'ai pas d'explication. Pour la question 4, à l'origine, Sacha devait recevoir un Carapuce comme compagnon de voyage. Vrai ou faux? C'est le Pokémon qu'il voulait de base, mais c'est pas celui qu'il devait recevoir. Quand il arrive dans le premier épisode de Pokémon, on le voit arriver, mais il était en retard chez le professeur Chen, et il devait choisir un des Pokémon, mais je sais plus si c'était lequel qu'il devait choisir, c'était Carapuce ou Bulbizarre. Mais c'est pas celui qu'il devait avoir, enfin qu'il devait recevoir quoi. Parce qu'il dit aussi qu'il voudrait les trois. Bon, on va dire faux. Celui-là chez Zygra, mais on va dire faux. Pour la question 5, la couleur de peau de Liputou, était jaune avant d'être changée en violet. Quand ça s'élève, elle était marron. C'est complètement faux, elle n'était pas jaune, elle était noire. Et il y a eu des problèmes de racisme parce que pourquoi ce Pokémon a été noir avec voilà, des grosses lèvres au niveau du racisme. Il y a eu beaucoup de problèmes sur Pokémon, du coup ils ont changé. Et petite anecdote, ça a été pareil pour Mister Poupeau dans Dragon Ball. Et oui, il a été changé, il a été un peu bleu marine. Bon, en gros, il a vraiment changé de couleur parce qu'il a eu aussi ce problème. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Pour la question 6, un épisode de la troisième saison a dû être en partie censuré à cause des seins d'un des personnages. La troisième saison, c'était quoi déjà? Il y avait Flora. Ah, il pourrait tellement y avoir moyen. Allez. Ah, j'hésite grave. Ah, peut-être en maillot de bain, peut-être. On va mettre vrai. Pour la question 7, un des épisodes de la série a causé de sérieux troubles chez de nombreux spectateurs japonais, comme des crises d'épilepsie, des aveuglements et parfois même des évanouissements. Ça c'est vrai, je sais, parce que ça avait fait tabac à un moment. C'était l'épisode avec Porygon, parce qu'il y a eu en fait, je sais plus si il avait évolué à ce moment-là ou il faisait une attaque, je sais plus, mais en fait il y avait énormément de flash. C'est en fait ça qui a causé mais tellement de problèmes en fait, niveau crise d'épilepsie et aveuglement, voilà comme ils disent. Enfin, c'était surtout crise d'épilepsie que j'avais entendu, aveuglement. J'avais pas entendu ça, mais écoutez, vu que c'est dans l'eau, je dirais absolument que c'est vrai. Pour la question 8, le personnage de Pierre disparaît à la fin de la saison 2, car les équipes de Nintendo au Japon craignaient que le design des yeux de ce dernier soit perçu comme raciste par le public américain. Comme personne ne s'en était rendu compte, il fut réintroduit plus tard dans la série. Alors, je sais plus pourquoi il y a eu ce problème-là, mais si, il y avait un truc comme ça avec Pierre, mais je sais plus si c'était aussi à cause du racisme de ses yeux. Oh, je sais qu'il y avait un truc, qu'il l'avait changé contre Jack. Et qu'après, là, ils l'ont rêvé. J'ai envie de dire vrai, mais j'hésite grave. Avant que vous sachiez la réponse, bien sûr, parce que sinon, ça serait trop facile, mettez en commentaire pour vous si, pour la question 8, c'est vrai ou faux, parce que celui-là, je n'en sais absolument rien. Alors, du coup, moi, je vais mettre vrai. Pour la question 9, dans le Pokédex, les numéros respectifs de Pikachu et de Meowth sont inversés. Oh là. Oh, j'en ai aucune idée. Pourquoi ce serait Meowth inversé? On va mettre faux, tant pis pour moi. Question 10, il y a une théorie qui prouve que l'univers des premiers jeux de Pokémon se situe juste avant une importante guerre. En tout cas, la théorie, je la connais pas. Enfin, moi, je mets faux. En tout cas, j'ai pas entendu ça. Peut-être, ça se peut, mais en tout cas, moi, je la connais pas. Pour la question 11, Melofey est le seul Pokémon à posséder le même nom dans toutes les langues. Non, 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 non. Aucune idée. Non, c'est faux. C'est pas possible. En japonais, c'est pas Melofey non plus. Ça serait trop simple.
Contraire, Pikachu, je crois que c'est le seul Pokémon qui se dit dans toutes les langues, je crois. Bon, je sais plus. Pour la question 12 et la dernière. Je sais plus au début si je vous ai dit question ou 12 questions, mais voilà. Bon, bref, la dernière question, c'est la question 12. Le Pokémon soporifique est inspiré d'un fourmilier. Vrai ou faux? Non, c'est inspiré... Ah, quoique, fourmilier ou un tamanoir. Attendez, attendez, juste pour moi, fourmilier et tamanoir, c'est quoi la différence? Fourmilier. Ok, là je vois, fourmilier et tamanoir, c'est la même chose. What? Mais c'est pareil. Oui, vrai. Pour moi, c'est que ça. Alors, attention, sur 12 questions, là, j'ai l'impression de m'être assez bien sorti. Moi, je vise minimum un 8. Si j'ai moins qu'un 8, sinon, je... Pikachu, je te fous en l'air. Clairement. Alors écoutez, attention, soyons prêts, sur 12 questions, je vise les 8. Voir les résultats. Ah, c'est bien et pas bien, 8, c'est le minimum que j'ai dit, minimum syndical. Plus que la moyenne, c'est pas dégueulasse. 4 erreurs sur 12, ah, on s'en sort bien. Ça va. Alors, pour la première question, on a eu bon. Pour la deuxième question, c'était faux. À l'origine, Pokémon devait s'appeler Capsule Monster. Et bah, sérieusement, je sais que ça devait s'appeler Pokémonster. Ou peut-être c'était, ça s'appelait Pokémonster de base en japonais. Genre, ça fait rien du tout. Pour la question 3, on avait bon dans la version japonaise, ça c'est bien Satoshi qui s'appelle le petit Sacha. Pour la question 4, on avait encore bon, c'était bien faux. À l'origine, Sacha devait recevoir un carapuce comme compagnon de voyage. C'était bon, il devait avoir un Mélopé. Ah bon? Ah, mais dans le début de Pokémon, enfin, je pensais qu'il parlait dans la série, mais oui, de base, c'était pas Pikachu déjà, c'était Mélopé. Enfin, j'avais pas compris la question comme ça. Bref, pour la question 5, c'était bien faux pour la couleur du Lepouto, elle était de couleur noire et non couleur jaune. Pour la question 6, on a eu faux. Du coup, la réponse était faux aussi. Pour un épisode de la troisième saison, a dû être en partie censuré à cause des seins d'un personnage. C'était faux, sérieux? Merde. Pour la question 7, on a eu bon. C'était bien vrai, un des épisodes de la série a causé de sérieux troubles chez de nombreux spectateurs. La question 8, on a eu pareil. Bon, c'était vrai, le personnage de Pierre a disparu à cause de ses yeux au niveau du racisme. Pour la question 9, on a eu encore une fois faux. Dans le Pokédex, les numéros respectifs de Pikachu et Miaou sont bien inversés. Dommage. Et pour la question 10 aussi, il y a eu une théorie qui prouve que l'univers des premiers jeux de Pokémon se situait avant une première guerre. On a eu... Enfin, c'était bon, quoi. C'était faux. Tant mieux. Pour l'avant-dernière question, Mélopé est le seul Pokémon à posséder le même nom dans toutes les langues. C'était bien faux. J'imagine que c'était... Enfin, je crois que c'était Pikachu. Dites-moi si j'ai raison. Je ne sais plus. Peut-être. Pour la question 12, le Pokémon soporifique est inspiré d'un fourmilier. C'était faux. What? Mais ça ressemble de ouf. J'aurais pu avoir bon là-dessus, putain. Ils savent pas reconnaître un fourmilier ou un tamanoir, c'était la même chose. Donc voilà les amis, on va se quitter sur ce petit quiz de 12 questions où j'ai eu, bah on va dire, c'était bon. Le quota, 8 sur 12, c'était pas dégueulasse. Écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. L'espace commentaire est fait pour ça, et bien sûr, à mettre un petit pouce bleu. Si c'est le cas, Pikachu, il est en train de suicider, c'est pas grave, on va finir comme ça. Dites-moi en commentaire combien vous avez eu à ce quiz, si on a eu peut-être les mêmes erreurs ou mêmes questions. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir les vidéos à venir. Et bien sûr, à mettre la petite cloche pour être averti un peu toutes les vidéos à l'avenir. Et les amis, je vais vous dire à la prochaine, comme d'habitude. Pikachu, pika pika.